Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes réellement contents aujourd'hui et nous remercions du fait que vous êtes déjà branchés. Vous allez suivre la dernière heure d'un programme évangélique, culturel et social destiné à la famille. À vous-même qui êtes déjà branchés, nous souhaitons une cordiale bienvenue dans le Seigneur. Jésus-Christ s'est chimé, oh. S'est chimé, pour lui vers pire.
Docteur Junis, c'est un monde qui était sous deux pieds militaires avant qu'il ait frappé par maladie, que qui stroke, qui était venu permettre lui venir tomber sous chaise roulante. Et c'était un monde qui était qu'on a fait toute bagaille pour lui. Et famille était souffri en pile par ça, par maladie que maman était sous chaise roulante là. Et bon Dieu était touché lui. Jour qui était lundi 29 août là. Et qu'on y a vint sous deux pieds militaires, il vient reprendre toute activité li, et nous dit bon Dieu merci pour ça, que nous le cap glorifier d'éternité en éternité. Merci. Sœur Ginny, son sœur qui me connaît en l'église Jérusalem depuis dans les années 80. Il passait dans plusieurs départements. Le dernier département qu'il était dans le département école du sabbat. Mais aussi, il était directrice japonaise aussi. Cependant, ce jeune est toujours à militer. Mais il est venu atteindre une maladie. Il a un high blood pressure et il a fait stroke plusieurs fois. Mais cependant, en dernier moment, le stroke est venu naguer la tête et il est venu paralysé. C'est dans la chaise roulante qu'il était. Eh bien, lundi matin 29 août, bon Dieu t'a fait un grand miracle pour lui. Eh bien, ce jeune est sorti dans la chaise roulante là. Parce que bon Dieu t'est guéri. Miracle ça, son miracle qui dit nous, c'est pour nous gagner la foi dans bon Dieu. Malgré problème, malgré difficulté, si nous étions fidèles, et bien bon Dieu lui-même a qu'un bel main nous, il a fait miracle pour nous que nous ne pouvons jamais espérer. Bon, Sœur Ginny Nicolas, son sœur que nous connaissons depuis longtemps. Sœur Ginny, son monde qui vraiment lui croit dans bon Dieu. Mais nous connaissons Elmian. Il est toujours là pour l'attaquer nous. Et bien, Sœur Ginny est tombé sous ligne ça. C'est comme ça, Sœur Ginny est malade. Il était un stroke, il fait plusieurs strokes. Nous, quand on voit Sœur Ginny aujourd'hui, c'est grâce, bon Dieu, qui mettait le campé. Et bien, Sœur Ginny, il passait 7 ans son wheelchair, côté que le pape a levé. Pour pied, il mettait des protèges dans le pied, dans la ceinture, pour qu'il soit capable de supporter. Et malgré ça, il n'a pas campé. Il est obligé de passer 7 ans dans une chaise roulante. Mais je vous dis, par la grâce de Dieu, nous connaissons bon Dieu lui-même, au jour marqué, au jour de délivrance, et bien bon Dieu a fait miracle quand même. Je vous dis, si nous sommes capables de garder le document, ça, sont un document qui est vraiment incroyable. Parce que pas de menti là-dedans. Nous capables de voir ça, Sœur Ginny, il marche aujourd'hui. Il marche, il vire colis, il tourne. Et nous capables de dire depuis le 29, nous capables de voir que le miracle ça a été fait depuis à 3 heures du matin. Côté que le monde est dans la ligne, nous avons les monde, nous sommes obligés de quitter Kayou, travel bien loin pour que nous gardions ça, mon Dieu fait. Eh bien, aujourd'hui, ou même qui a la foi, ou même qui a milité, ou même qui gon douleur, ou même qui gon bagay kap tourmenter ou même qui capable dans chaise roulante même j'ai avec Sœur Ginny. Du courage ma sœur, du courage mon frère. Ça bon Dieu fait pour Sœur Ginny, moi espérer de capable faire pour dans la vie pa. Que bon Dieu. Donc moi me sont témoin oculaire de miracle ça qui fait là avec Sœur Ginny. Sœur Ginny, c'est ma reine petit garçon moi, donc côté que moi même avec la famille non, avec famille pas moi, nous tant pour Kokota Figaro et dans week-end et si week-end ça, yo passe yo compte la caille moi et puis l'autre week-end nous même nous passer et week-end ensemble avec yo. Maintenant maladie Sœur Ginny te cause un pire chagrin dans que nous et jodi a bon Dieu fait un miracle en faveur Sœur Ginny, il fait que Sœur Ginny content. Je dis à, c'est pas que Sœur Ginny seulement bon Dieu fait content, mais c'est il fait que famille moins content tout. Parce que depuis 7 ans, m'a suivi Sœur Ginny, yon sœur qui était très active dans l'église Jérusalem, et directrice école sabbat, directrice classe enfantine, qui chante avec Timoun, et puis brusquement. Et maladie tombée sous lit. Et puis, pendant 7 ans, c'est son chaise roulante. Côté que petit garçon l'a poussé de temps en temps. Et à chaque fois que m'a regardé sœur là, qui sous chaise là, l'aime qu'on a regardé l'activité là, comment les coquettes l'a monté chère là, on peut pour la parler de Dieu. Et je dis à, on les jours passés, les années passées. Donc, moi, ouais, comment que les chita sont chaise roulante. Côté que c'est le monde qui a fait toute bagaille pour lui.
et 29 août. Je crois dans 28 soirée qui 28 qui pour venir 29 là, bon Dieu t'a visité. Donc qui pote la joie dans cœur nous tout aujourd'hui à côté sœur Junie, jeudi à les camper, l'a sauté et puis côté que pied était enflé sous chaise là, dol t'es malin, le bon Dieu touché là. Son bagage extraordinaire. Côté que tout col désemplé, jambes désemplées. Et même tension que ce a fait sucre et maintenant tout bagage disparaît. Donc c'est ça, c'est nous dit gloire à Dieu jeudi à et moi bien content pour que moi camper jeudi à devant caméra ça pour me capable dire moun cap garder et quelque pour le garder pour le temps de témoigner ça c'est pas un fait c'est pas bagage fait son bagage que qui vrai comprendre son monde qui était réellement sous chaise roulante et réellement bon Dieu touché lui et peut-être nous pour le temps de ça que il va pour dire donc et m'encourager ou et dividi ça que vous avez regardé pour pas témoigner ça qu'on pas suivre là tendez contempler la gloire de Dieu contempler bon Dieu contempler comprendre ça bon Dieu il est ça le capable faire et ça le fait dans la vie Sœur Junie capable faire dans la vie autour et la vie aux amis qu'on connaît et me supplier ou dividi ça que vous avez regardé introduis là un autre monde ou bien et prend une copie distribuer voyez ba aux amis qui vivent dans l'autre état parce que tout ça que vous faites c'est témoigner ou témoigner pour bon Dieu donc Sœur Junie lui même il pourrait marcher témoigner pour dire ça bon Dieu fait pour lui mais vous même tout capable participer dans le travail ça tout pendant que vous regardez les dividia et puis pensez à un monde qui l'autre bord de l'eau et puis voyez dividia pour lui voyez dividia pour lui et puis c'est même travail là qu'on obligé à faire tout parce que vous témoigner à la gloire de Dieu. Donc Calix, merci beaucoup et je crois que tout le monde qui a regardé dans ce moment là est capable de comprendre la situation hein. Donc son miracle bon Dieu fait malgré hier et nous t'étendons les miracles dans la Bible mais je dis à l'église de Jérusalem qui est dans 4201 au 12e avenue ça là en dedans l'église ça bon Dieu choisit un monde pour le sauver échapper en bas pour maladie ça. Oui, donc tout jouet, c'est jouet, mais qui s'en a là, cher David? Bon, cher, c'est ça, faut bon, faut respecter bon Dieu. Je ne sais la vie, je ne sais pas même si il y a une assemblée qui est école qui m'a arrêté, nous essayons tout couteau rouiller. Je dis à mon père, pour dire que couteau va Jésus, il fidèle. Mais d'abord, ça impossible, c'est la dame Jésus spécialisée. Pour qui s'adore les journées aujourd'hui, une journée de louange, une journée d'action de grâce, une journée musicale, c'est parce que le bon Dieu fait pour nous, il faut d'un grâce. Et il y a un grand qui est grâce. On regarde le temps ça. Pour moi, c'est le plus gros miracle que l'Éternel fait dans la communauté. Amen. Parce que vous rappelez les causes de monde. L'homme doit être comme ça, c'est un millionnaire. Même de là, l'Éternel a fait des gars. Vous ne connaissez pas millionnaire. Mais cependant, vous êtes millionnaire dans la masse. L'Éternel fait nos cadeaux, c'est mon gros miracle. C'est comme si nous avions bon Dieu remet fait gros miracle en dedans de Jérusalem. C'est pour Jérusalem, même bon Dieu remet fait gros miracle. Vous ne connaissez pas même même miracle. Amen. C'est pas parce que le Bible va passer tout le monde. Non. C'est pas parce que le Bible va passer tout le monde. Mais parce que bon Dieu remet Jérusalem. Frères et sœurs, bon Dieu remet Jérusalem. Je ne sais pas si vous bon petit moment. Mais bon Dieu louange. C'est pas ça, cher. Bon Dieu louange. Pas pour miracle ça seulement, mais pour notre miracle que l'Éternel fait. Amen, cher. Amen encore. Est-ce que bon Dieu va bon, cher? C'est la raison pour laquelle, tant que vous souvenez,
ou même qui est cadavre dans le cœur, retirez le cadavre. Amen. Amen, chers amis. Retirez le cadavre. Nous pardonnez tout le monde qui est dans le cœur. L'église, c'est l'église, mon Dieu. Amen, chers amis. Parce que le monde qui est intelligent, même le monde qui fait mal, il faut pardonner le monde. Amen. Parce que l'homme pardonne le monde, c'est fait pour pardonner. Il est vivant. Amen. Amen encore. Amen. Nous vivons dans les dernières heures de l'histoire de cette humanité. Yes. C'est le moment côté Jésus nous a dit la parole, nous encore. Jésus est le seul de son retour encore. Amen. Amen.
faut nous réveiller, non? Yes. Amen, chers amis. Amen. Faut nous prier, non? Yes. Faut nous réveiller, non? Sauver. Yes. Et au nom de Jésus, faut nous sauver. Amen. Faut nous sauver, oui, frère. Amen. Ceci dit, est-ce que, avant de nous traverser dans le moment nous, est-ce que bon, nous avons assemblé à senti qu'on bagaille nous dans le cœur qui va empêcher l'adorer, bon Dieu? Nous les prions pour nous. Avant d'entrer dans nos wanches. Bagaille là, dans le cœur. On ne va pas retirer. Nous, on ne va pas monter. Est-ce que nous lâchons ça? Est-ce que bon, nous avons notre Père et notre Dieu? Gardez Jean au réveil. Mais cependant, nous connaissons la vie de nos terres de difficultés. Parfois, nous n'avons pas ça, nous faisons des choses. Parfois, nous n'avons pas ça, nous disons des choses. Parfois, nous n'avons pas ça, nous faisons des choses. Parfois, nous n'avons pas ça, nous faisons des choses. Mais ça pourrait être dans vous. C'est qu'on connaît dans le cœur. Pour retirer toute haine. Pour retirer tout chagrin. Parce qu'on connaît si nous pas oublié, non seulement on a souffri, mais on a péri dans la souffrance. Mais si nous pas oublié, nous pouvons pardonner ou délivrer de la souffrance. D'ailleurs, on servir avec nous pour que tout partout pour nous passer, nous garantissons Dieu, mon Dieu, nous sommes mon Dieu qui vivant. Seigneur, merci pour sincérité, tout petit nous qui devons chair dans mon ça. Et nous croyons que le prière sa fille prononcée, qu'elle est libérée. Nous avons besoin, nous allons nous occuper de monde. Nous allons oublier, retirer le ciel sur le monde et le ciel sur Jésus. Nous allons suspendre garder ce monde, nous allons garder sur Jésus. C'est vous-même, vous n'avez jamais recevoir personne. Vous êtes toujours fidèles. Vous êtes fidèles hier, vous fidèles aujourd'hui, vous êtes fidèles de siècle en siècle et de capitaine en capitaine. Nous sommes tous les saints qui nous font. Mais si l'homme a assemblé à qui on est gonflé en tant que nous, il y a des gens qui chita sur ton bon cœur, il y a des gens qui n'ont pas donné, mais ils ont embarrassé pour venir devant. Puisqu'on est sincérité, vous voulez vous débarrasser de vous de toute haine. Vous voulez vous faire Satan souffler pour vous. Le Satan ne va pas chercher à vous pour vous. Le Satan ne va pas faire ça, c'est mieux. Ce ça, c'est mieux. Moune ça, c'est mieux. Moune ça, c'est mieux. C'est pour vous faire Satan manger. Puis le Satan, ça va faire mieux. Seigneur, ma vie, nous la victoire. Là, on pense que nous ne pouvons pas croiser pour nous couper l'autre couché. Puis on est en bâconade. Puis on est en l'autre. Puis on est en prière pour l'autre. Puis on est en prière pour l'autre. Puis on est en bâconade ensemble. C'est pour le Satan, au nom de Jésus, pour perdre la bataille. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus.
La victoire est à tous ceux qui caressent la bienheureuse espérance du retour en gloire de Jésus. Seigneur, nous vous remercions pour la victoire. D'ailleurs, vous commencez à montrer nous qui ça a unité qu'à faire. Vous commencez à montrer nous qui ça a la prière qu'à faire. Dès que nous prions, vous êtes boiteux à marche. Aveugle à boire. Paul à casser. Chaîne à briser, miracle à tomber, pomme à louer et non à glorifier Seigneur. Nous comptons sur vous et nous parlons de louange avec mon cœur qui est bébé. Assemblez louange à vous, Seigneur. Et pendant la parole louange, là, si les gens qui sont gravement malades dans l'assemblée, touchez-vous pour nous, Seigneur. Si les gens qui sont persécutés, délivrez-vous pour nous, Seigneur. Si des mondes la vie au chalier, pas en bas, bien libérés, et faire nous glorifier dans la vie au Seigneur. Nous comptons sur vous et nous remercions déjà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le monde dit ensemble. Que le monde dit ensemble. Je vous prie de prier à la exaucée du gloire au Père. Il a manifesté sa voix à vous.
promis ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et bon bâtissant, plein de colère et riche en bonté. Il ne protège pas sans cesse, il ne bat pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Or, le Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont remplis, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque l'on passe sur elle, elle est brise, et le pied de notre père ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel tient à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ce commandement afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel pour ses anges, qui est puissant en force et qui effectue ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres dans toutes les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je vous remercie.
Nobody has the wisdom of my own world choice. Wow. Yeah. Les choses hier, mon Dieu a fait me parler à bouche pour nous comprendre. La bonne expérience que je fais dans ma vie. Mais bon Dieu, pas de chambre la guille. Il est venu fille à pour lui. Côté de Chita, je dis qu'il a fait ça pour moi tout seul. Il a dit nous deux prier à deux. Si il y a un soeur qui a bien dit qu'il n'y a pas de moi, il a dit nous qui s'en descendent. Amen. Il te dit Jésus, souvent dans la vie, il mourit pour moi. Pas que je ne vais pas faire. Parce que quand nous
pas. On nous montre des grandeurs. Nous-mêmes, sur la terre, nous avons un gros chef, un gros bateau, nous ballonneurs. Oh, tout le monde a couru. Mais voici le président, nous parlons avec le président. Mais nous, un gros chef aussi. Et pouvoir. Et pouvoir. Et nous disons dans le livre de 16-18. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et le ciel. Oh, yes. Oh, yes. Et nous, non. Esaïe 61. Côté il dit comme ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour porter quoi? Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Aux aveugles, la vue. Aux prisonniers, la délivrance. Aux captifs, la liberté. Oh yes. Non, tout qui comprend. Parce que l'on a bon Dieu. Amen. La bonne religion. Mon Dieu, non. Amen. Et ça dit, ça montrer, c'est pour nous louer. Amen. Parce qu'elle a déjà fait ça pour faire pour moi déjà. Amen. C'est tout qui l'a nous. Mon problème n'a pas versé. Mais nous nous faisons pour nous. Je vous dis, même mon Dieu parle. Il a délivré pour nous. Amen. Il est blessé. Solution pour nous. Quand même, mais seulement c'est faire confiance. Elle vous chantez, nous lisons 145 Corinthiens 2 sur le livre, seulement parce qu'il dit je t'exalte. Je t'exalte au Seigneur. Parce que pour une raison, on peut te laisser bien dédicacer dans le monde comme ça. Il est déjà préparé au ciel et moi. On va compter les bienfaits au ferment de l'une des satans. On dit bon, si ma compte est bien fait, on va passer par Jean. Par Jean fini, passer vraiment en ville. Et ce que nous avons commencé à compter les bienfaits, ça qui est bon quand tu fais dans la ville. Ouais, tout côté est tombé, il est blessé. Mon déjà, vas-y, c'est que moi. Parce que nous ne connaissons pas. En 2004, nous faisons un spook. Bon, ça a lieu. Nous faisons connaître le fond. Nous faisons une arrière, nous faisons thérapie, nous faisons tout. En mars 2005, encore, nous faisons le pire. Cette fois-ci, nous tombons, mais nous ne tombons pas de vie. C'est à ce moment où il est là avec moi, il a vu dans un coin et il a été fait nécessité chez moi. Il a compressé le cœur, il a été fait revivre. Il est arrivé au milieu de la machine. On voit une assise. Tout ça. Là, toujours. Même seul avec ma petite, malgré tout ça, m'a traversé. Mais nous toujours mettre confiance en moi. Amen. Et si on fait ça arriver, c'est pour la bonne cause. Dès qu'on a la vie, ma chine frappée. Dès qu'on a la rencontre, je ne peux pas rentrer. Dès qu'on a fait mon rencontre, je ne peux pas faire. Mais elle devait être là pour la bonne cause. Tout le temps, on a pris chose. On a pris passage. Dans Romains 8, verset 4. Toutes choses sont pour Dieu, ceux qui aiment Dieu. Nous disons, est-ce que vous vivez? Peut-être que nous avons fait le temps de nous oublier, mais toujours changer, faire mon Dieu changer pour mes yeux faire. De nous faire changer, pour y aller, et ranger pour s'y laver. C'est pour ça, ma dormi, pour y aller, tout le temps m'a minoré, m'a passé la bouche, si la bouche, si la monte, côté. Jusqu'à ce qu'elle prenne, si elle montait, si elle colle ma mère, mettre mon là pour moi, après une vie de mortier. Elle fait face à tout le bain. Qu'elle fait moi qui bon. Elle vient tomber malade la première fois. Elle connaît ma mourir. La deuxième fois, elle connaît ma mourir. Parce que c'est que elle donne ma vie. Quand elle m'a dit ça, elle dit bon ma vie. Quand elle vient là pour moi, elle fait ce cher, ça va bien. Où est Jésus? Pas de monde qui compte qui j'en dis. Ah, côté aïe, mais où est? Et il va la montrer personne. Même
petit monde même je ne montre yo parce que connaissez si un ami m'habitue faire ça malé mode crime pour ça lui dans un temps paresser lui paresser jusqu'à ce que au film mais bon seul bagage m'a dit derrière les sous chaise pas de temps mais que moi c'était de vous pendant ma première mes bagage ça comme ça m'a dit les bienfaits de l'éternel et puis descend dans la figure. Hop! Ça va, on va dormir. Dormir en pont. Plonger. Dormir pour plonger dans le sommeil. Et je ne vais pas parler, mais c'est vrai. Avec Jésus, pardon. Et puis, depuis ce jour-là, dormir dans le petit bébé. Jésus est déposé, il paraît que aux autres. Et puis, plonger dans le sommeil. Mais l'homme dit nous m'a dormi, c'est un coup, c'est pas dormi, dormi. Pourquoi nous avons l'homme qui est tombé dans l'extase? Et puis, pendant plonger dans le sommeil, comme ça, de regarder moi sur une petite pente qui conserve le soleil. Je suis pas sous chaise là, comme ça. Chita, madame Chita, mon genou est là pour finir. Venez jouer là. Quand je suis là, je suis là pour finir. Il vient de sous figure, et bête fois. Il avance à côté, face à face. Il dit, Saint-Junie, levez-vous pour hier. Saint-Junie, levez-vous pour hier. Parce que la terre va détruire nos sœurs. Il dit, comme ça. Mais pas arrivé. Il dit, mon deuxième fois. Il dit, levez. Il dit, puis pour dire, ma preuve. Oh, je me levais sous chaise pour camper. Et puis, camper, camper, je vais camper côté. Il dit, je vais faire la voilà. Imaginons, depuis 7 ans, je prends un médicament de thérapie passé. Je suis dans un centre, je suis en thérapie. Je suis dans notre jour. Je suis allé par oui. Bon dernier, tout le monde nous connaît. Laurel fait thérapie dans Villa Maria. Il y a un pile d'équipement pour ça. Il a essayé. Où est-ce que tu as marché? Pierre Denham. Vous avez une stimulation. Vous avez un courant là-dedans, vous avez mis une vie là-dedans. Et là, vous essayez de faire ça, quelque part, qui était. Oh, vous avez couru. Vous avez quitté Pierre. Non, vous avez Pierre de carité pour Chita. Et puis, vous avez carré. Alléluia! Vous avez compté sur lui. Quel que soit sale, fait ses biens, le grand monde lui fait sale plutôt. C'est pas vrai pour le mettre dans le pays. Dépense 7 ans, je ne pense pas 7 ans. Je veux dire, pour ta femme 7 jours, je suis en soupir. Et puis sur 3 jours, je suis en soupir. Je ne même pas 7 jours. Et je dépense 7 ans pour passer la tribulation. Même pas de chambre du courage. Je suis frères et sœurs. À prier avec matin. Si tu as un souci, l'homme est mon côté pour ne pas prier. Il y a mon là qui a dit ça. Oh, maman, ce seul bagage fait, c'est la prière. Mais si on chita, pas qu'à travailler. Quand tu es meilleur, bon Dieu, pensionne sous chaise. Il était qui est petit point. Il est sorti. Pourquoi j'en ai un qui mourit et qui est malade dans l'hôpital? Ça dit que le règle est causé. Quel que soit jamais le règle est causé. Vous comprenez? Un bon bon Dieu comme ça. Oh, faire confiance. Et c'est comme ça. Et puis, Jésus prend la tête. Il prend la tête, je suis là. Il prend ça. Il prend la tête. Alors, il faut chercher le solide. S'il passe au micro, la prête de nous, il est bien. Il est bien.
se connaît. Jésus prend la chèque solide et puis l'ultime. Depuis la conférence générale jusqu'à si l'école sabbat à l'école. Yes. Nous prenons la victoire, Jésus à tout. Et par l'école de la paix avec lui. Faut aller penser à ça, oui. Pour ne pas tellement rester sous ça. Ici, papa n'a pas massé. Nous avons des trésors dans le ciel là. Et que lui, papa. Oh, alléluia. Alléluia. Merci. Oh, une grâce de bon Seigneur. Non seulement sauver, mais pour guérir. Pour tout le monde, on va guérir. Merci du fait que tu aies pris un petit temps pour suivre le programme télévisé La Dernière Heure. Pour suggestion, relayez-nous dans 617-276-5935, 617-276-5935. Pour La Dernière Heure, c'était Zamion et serviteur Hans Élisée. À la prochaine.